Donc aujourd'hui, bah, c'est un communiqué commercial, c'est un suivi de chantier, donc la peinture est finie. Je vais te faire voir comment je fais pour peindre mes encadrés de porte. J'utilise donc une peinture de chez Blancolor, une peinture solvantée, une issoie, c'est une peinture garnissante. Voilà, faut l'utiliser avec des rouleaux entre 10 et 13 mm. C'est une laque qui est d'une grande blancheur. Donc voilà sa brillance spéculaire. Donc elle sèche en 5 heures, recouvrable en 24 heures, brillance spéculaire 23 à 60 degrés. Donc c'est pas très brillant, c'est plutôt proche du velours que proche du brillant. Donc c'est un satin assez léger. Donc voilà le chantier, hein. Donc hier, j'ai pulvérisé, j'ai enlevé rapidement toutes mes moquettes dans les pièces. J'ai enlevé des plastiques. Tu vois, je suis en train d'aérer la maison. Tu vois la blancheur, je pense que tu le vois. Maintenant, je vais poncer mes châssis avant mise en peinture. Je vais enlever sur les gonds l'enduit et la peinture. J'ai prévu mes châssis. Voilà, qui sont ici en attente des portes. Le menuisier va venir les faire, j'espère lundi ou mardi, parce que le chantier est délivré jeudi. J'ai laissé mes moquettes exprès, tu vois, et normalement dans ma méthode de mise en peinture sur la maison individuelle, je fais donc mon impression, je décachete rien, je fais ma révision, et pendant que c'est en train de sécher, je mets mes châssis, je ponce, il faut poncer les portes. J'épouste et je me mets en mise en peinture HVLP en basse pression, mais là les portes sont pas prêtes, donc j'ai pas pu le faire entre l'impression et la mise en peinture. Donc du coup je suis assez déçu parce que je voulais te faire voir la peinture blanc color unissoie en utilisation, je vais y arriver, hein, en utilisation HVLP, mais malheureusement ce ne sera pas possible, ce sera une utilisation, une mise en peinture au rouleau. Bon, c'est beaucoup moins intéressant et ça m'amuse beaucoup moins. Tu vois, donc les châssis d'origine, ils sont comme ça, ils sont pré-peints. Là, ça va être une peinture solvantée, donc ça pose pas de problème. Mais si ça avait été une peinture en phase aqueuse, ce pré-peint ne suffit pas pour empêcher les remontées de taches et de remontées de tanins. Il faut quand même mettre une accroche et une accroche bloquante. Comme je fais les sols aussi, je voulais te faire voir. Je vais pas perdre mon temps aujourd'hui. Je vais sortir mon grattoir, je vais gratter tous les sols et avant de me mettre en peinture, je vais donner un coup d'aspirateur, comme ça sera propre. C'est pratique. J'ai acheté 10 litres. Et en fait, je me les fais livrer en 2,50 litres parce que ça se garde beaucoup mieux, c'est plus pratique. Ça évite que ça sèche, surtout avec des grandes chaleurs comme ça. Ça passe pas. Tu mets ta grignoteuse dedans. C'est nickel. Tu te coupes pas. Oh, voilà. Et voilà. Tu vois, maintenant ça rentre dedans. Impeccable. Ça, hop, donc ça c'est un produit que j'ai depuis des années, mais moi c'est vraiment pour découper, tu vois, mais je te ferai voir ce que je fais avec, hein, parce que je fais pas mal de choses, il y a beaucoup de choses. Maintenant que je vais avoir un atelier, ça va changer les gars, hein, on va s'amuser un petit peu. Je te fais voir sur le haut parce que le pinceau s'est légèrement assoupli, mais c'est pas encore le top. Bon, voilà, tu vois l'application manuelle. N'est pas très intéressante à mon sens. Et puis moi, je m'éclate plus du tout au pinceau. C'est même, je trouve, un peu lourd à force. Alors bon, ça, c'est ma façon de voir, hein. Et c'est ma façon personnelle, mais apparemment, sur la chaîne, il y a pas mal de peintres pros, hein, qui, eux aussi, voudraient migrer. Moi, mon objectif pour 2019, c'est de quasiment arrêter le pinceau. Bon, je te rappelle que si je suis avec la brosse, c'est parce que j'ai pas pu faire la mise en œuvre comme je voulais, parce qu'encore une fois, ce constructeur a du retard au niveau de la livraison. On est le 15, le client rentre le
Dans 4 jours. Et les portes sont toujours pas posées. Donc je ne peux pas les faire à la basse pression dans la pièce. Donc c'est pour ça que je suis au rouleau. Mais c'est très rare que tu me vois au rouleau. Tout le monde est parti, les personnes qui faisaient le ménage, le menuisier a fini de poser, bon, les volets, il a fini de poser les portes. Il n'y a pas eu trop de reprises. Il a raboté cette porte. Donc là, j'ai passé tout de suite une première couche. Ce soir, je passerai une deuxième couche sur cette porte. Et je te fais voir la finition. Les plafonds, les murs. Hein? Donc, je pense que je ferai pas de vidéo de fin de chantier. On peut considérer que c'est le fin de chantier. Donc là, il va y avoir une clim renversée. Donc, l'électricien doit venir poser des spots en haut là. Et puis, je crois qu'il y a le cuisiniste qui va arriver. En tout cas, pour moi, c'est terminé. Voilà les portes, comment sont finies. Bon, voilà, regarde les plafonds. La trace que tu vois là, c'est la lumière, c'est pas une trace de peinture. Bon, je suis plutôt content. Rappelle-toi de l'état de la maison quand je l'ai pris. Dans quel état c'était et dans quel état c'est maintenant. Donc c'est plutôt super bien. Tu vois, c'est un métier agréable quand tu prends des chantiers comme ça qui sont tout pourris et puis que tu arrives à en rendre une belle maison comme ça, tu es plutôt fier de toi. Et donc voilà un peu le principe, le métier. Donc je suis assez content. Les toilettes, donc c'est pas terminé. Mais je les ai quand même repeints entièrement, hein, puisqu'il avait tout sali. J'espère qu'il ne salira rien pour poser cette cuvette et ces éléments. Maintenant, je ferme et puis j'y vais. Tu vois, le garage est propre. C'est la fin de chantier. Donc, plutôt content, hein. Ça a été assez difficile. Et demain, je reviens voir le client parce qu'il réceptionne demain. Bon, voilà. Voilà la maison. Ok, ben sur ce, je te remercie d'avoir regardé le tuto. Je ne sais pas s'il va y en avoir un, deux, trois. Ce n'est pas vraiment un tuto. Je te referai un tuto vraiment sur le sol parce que ça n'a pas été facile. Entre hier, les corps de métier ce matin, encore une fois, tu vois, tu es sur un chantier, tu es en réel. Donc c'est toujours compliqué de faire les choses comme tu veux. Tu vois, ce matin, j'ai plutôt laissé la place aux gens qui venaient faire le ménage, au menuisier pour poser ses fenêtres. Après, j'ai récupéré aussi un peu les traces qu'il avait fait sur les portes. Bon. Donc c'est pas du tout des conditions faciles pour faire les chantiers. Voilà, donc là je ferme et je m'en vais. Ok les Active Painters, si tu as bien aimé cette vidéo, tu peux t'abonner, active la cloche, laisse-moi un commentaire. Et puis je te dis à bientôt. Regarde plus de vidéos en cliquant sur les playlists. Je te dis à bientôt. Salut, à tout de suite.